Pour souligner la mort. Le policier doit absolument avoir vu la photo. Sur mon constat, c'est dit, signé par Simon Lévesque, c'est dit, je sous-signé atteste avoir moi-même constaté les faits mentionnés sur le constat. Mais lorsqu'on regarde les rapports de police qu'on a reçus, le rapport de Simon Lévesque, exactement la même personne, dit « Alors que nous sommes à l'écart de la manifestation, notre superviseur nous informe à 18h45 que nous quittons pour nous rendre au coin des rues Maisonneuve et Saint-Hubert pour procéder à une interpellation de masse. Sur les lieux, vers 18h55, je rencontre la commandante de Seine qui me mentionne que les gens n'ont pas fourni d'itinéraire pour les manifestations en contravention au règlement P6, article 2.1. Donc, celui qui a émis mon constat, qui a signé comme quoi il avait vu, dit dans son rapport qu'il n'était pas sur place pour voir. Ça, c'est une parjure au tribunal, c'est un faux témoignage. Donc, c'est évidemment un des arguments que nous, on allait apporter, mais c'est le genre d'argument que la Ville ne veut certainement pas qu'il soit publicisé. Donc, c'est mieux de laisser tomber d'avant le constat pour nous empêcher de pouvoir plaider ce genre d'argument-là. Et c'est un des arguments qu'on avait. On a reçu aussi des documents qu'on a demandé de décalgarder, donc enlever les noirs dessus. Quand on a reçu le deuxième document, tout d'un coup, le nom du commandant avait changé. Plusieurs aspects de même qu'on aurait rapporté aujourd'hui. Mais maintenant, comme c'est tombé, bon, pourquoi la rapporter aujourd'hui? Je vois que derrière nous, on a la visite de l'Ancien Blanquier, qui va peut-être vouloir nous éloigner. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Là, mais... okay, derrière nous. Quelle est votre réaction à ces mesures de sécurité aujourd'hui, juste pour une audience devant une cour municipale? Ben, ils sont intenses, c'est complètement débile. Surtout qu'on allait se faire acquitter. On se fait traiter comme des criminels alors qu'ils savent qu'on va se faire acquitter. Je trouve ça un peu étrange. Merci beaucoup pour votre réaction. Monsieur l'agent. Comment ça va se passer si ça gosse? Il y a des interventions, à un moment donné, ils sont des go, j'en veux pas de go. Et tout le monde s'en est chez eux. Mais pourquoi ils se font dire go? On n'a aucune infraction, on fait rien, là. C'est pour que je parle, ça sert à rien, tu vas pas comprendre la logique. Non, mais regardez tout l'espace qu'il y a, monsieur l'agent, sur c'est le trottoir. C'est pas une question d'espace. On n'a même pas la rue présentement, on est sur le trottoir, il n'y a aucune loi qui empêche d'être sur le trottoir. Vas-y. Si tu es seul comme ça, ce que tu veux, ça serait seul. Je ne sais pas. Mais la police, il a dit qu'on ne peut pas. Il a dit qu'on ne peut pas rester sur le contrat. C'est catch 22. Arrête de perdre mon temps de parler avec la police. Vous me demandez d'aller sur le bon. C'est vrai, c'est où? Faudrait peut-être un peu de backup. Ça tente-tu bien, on va chercher un peu.
Oui, moi j'en ai été suspendu quand on fait plein de choses. Je suis très fier. Tu es fier d'être policier? Toi, t'es fier de quoi? Moi, je suis fier d'être sociologue. Oui, à 80 de l'heure, pourquoi pas? Mais tu portes des pantalons de même pour être clown. C'est toi qui me traites de clown, c'est ça? Oui, vraiment, comment? Oui, oui, mais je demande, vous, poliment, combien vous êtes payé pour les temps supplémentaires? 80 de l'heure? Pas de quoi prendre des pantalons de main. Ah, regardez, il y en a qui ont compris la logique. Regardez-y. Il y en a tout qui va passer. OK, je vais... Regarde, circule en 3 secondes. On laisse passer la voiture. Hey, circule! Ça se loque de rue, là. Décolle. Eh ouais, c'est correct, là. Lâche-moi. Je suis pas le seul. Ah ouais, 4-3-8. 4-5-3-8. Il circule. Monsieur, sur le trottoir, vous circulez. Vous enlevez de la... Vous circulez, merci. T'enlèves la rue, on circule. Merci. Dans la rue, let's go! Dernier avertissement. Dernier avertissement. Il y a personne, ça n'existe pas, il y a d'autres choses qui existent, qui sont vraies. Dernier avertissement pour toi. Madieu, monsieur, dernier avertissement, c'est vous d'aller sur le trottoir. Allez-y, vous êtes un homme d'un certain âge, vous devriez être raisonnable. Allez-y, s'il vous plaît. On n'a pas la même définition de ce qu'est être raisonnable. Moi, je suis journaliste et je suis les événements ici, même dans la rue. Oui, excellent. Oui, je l'ai, c'est pas plus que d'autres règlements. Il y a pas mal de règlements. Salut, le trottoir! Oui, mais il y a aussi une charte. De toute façon, ils ont bloqué la rue. Ils vont sortir le 500 pour un an. Vu qu'il a été considéré comme constitutionnellement similaire. Oui, il ne veut pas recevoir ma requête sur l'inconstitutionnalité. C'est purement académique. Oui, théorique. Oui, c'est rien à faire avec la réalité, l'actualité. Je ne savais pas, je comprenais pas ce qu'il disait, mais je ne savais pas qu'on avait été accueillis. Ah oui, il veut se débarrasser de nous. Oui, parce qu'il a dit jugement, le 6 juin. Alors, on prend la rue. Hein? Si on est mis dehors le cours, on prend la rue. Ouais. Mais c'était fou le service d'ordre qu'il y avait là. C'est comme si on avait été des mafieux. Oui, avec aucune raison. Pourquoi il veut faire toute cette... Vraiment, c'est fou. Il est obligé de la faire. Ces contraventions nous ont permis d'apprendre comment fonctionne le système. Les ordres d'en haut auxquels les larbins du système obéissent sans réfléchir. Les mensonges à tous les niveaux systémiques et systématiques. Les requêtes et les procès. Les variantes dans les jugements, les jurisprudences qu'on voit. Ces contraventions nous ont finalement bien enseigné. La loi Pécis, on s'en calisse.
calice. Bras droit, face six. On s'en calice. On s'en tabarnak. La peur. Avec ses grands amis, les boucliers, les tie-wrap, les autobus de la STM, les contraventions ont réussi, en partie pour le moment, leur but. Faire peur, décourager, faire fuir. Après le 1er mai 2013, où le nombre d'arrêtés et les traitements ont atteint un sommet, ils ont réussi à casser la mobilisation. Ces contraventions nous ont appris la violence du système, prêt à tout pour nous faire taire. N'ayons pas réussi! Dans la chambre, il y a des procureurs qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de plaider, c'est encore la nôtre, c'est de prendre le pavé et de le balancer. Là, regarde là, carré rouge, notre carré rouge, ils sont volés. C'était un... On n'a rien volé, c'est pas vrai. Nous ont aussi appris comment résister, comment s'organiser et refaire le système. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas toujours, mais nous sommes encore ici aujourd'hui. Ces contraventions sont mortes, mais pas la lutte. Nous continuerons aujourd'hui l'offensive, nous demanderons réparation. On va-tu en aller? Hey, what are you doing? Well, I have no fucking clue what I'm doing. Stop smoking. One of the few pleasures I have left in life. Pleasures? I kill myself. No, I have something better. What's that? Compassion clubs. Ah oui, on peut entrer ici. Oh oui, même bicyclette. Notre force, notre force. Vas-y, 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 vas-y. Thank you.
Alice, comment ça qu'on va arriver? Anti-sécurité. Non, mais c'est ça, je dis t'es en course. Je suis journaliste. Bon, vous avez carte de presse? Pécarde. Ouais. Carte de presse officielle? Ça, c'est officiel. YouTube, c'est pas officiel pour moi. Mais oui, c'est non. Diffusion publique. Non. J'ai fait ça pour l'intérêt du public. Vous voulez faire? Pas votre carte de presse officielle. On va chercher un policier. Lui, il est barré, c'est pour toi. Je suis journaliste. C'est pour la diffusion publique. Regarde, c'est écrit ici. Ça, c'est mon chaîne. Sortez de l'autre côté, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas journaliste. Non, je suis journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Oui, montrez-moi c'est pour votre... la diffusion publique. Montrez-moi votre... Regarde, j'ai plus que 900 vidéos sur mon chaîne de YouTube. J'ai 35 000 visionnements sur mon chaîne de YouTube. C'est pour la diffusion publique, sortez, ça. S'il vous plaît. Non, j'ai droit pour être ici, n'importe où, pour une diffusion publique. Je suis journaliste. Regarde, c'est écrit ici sur mon caméra. C'est pour la diffusion publique. Non. Non. Monsieur. Non. Écoutez, on sort. Pas toi. Écoutez-moi. On sort. Monsieur. Hey, regardez.